It's unforgivable. I stole and burnt your soul. Is that what demons do? They rule the worst of me, destroy everything. They bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Yann, attention. Fait beau dans ton pays, Christophe. Bah ouais, c'est comme ça. Hein. C'est la Belgique. C'est le nord. Félicité par je suis à la table de ta mère en plus. Elle vient, merci. Je suis content que ce soit toi qui viens de ce prix là. Love you, baby, I love you. Encore. Non. Dis-moi. Caro, la plus française des Belges, on va dire, qui gagne ce genre de Grand Prix à Mons. Belle victoire. Super. Très belle victoire. Tu t'y attendais? Il y a eu lutte hein, pour finir. De quoi? Il y a eu lutte pour finir. Tu t'y attendais? Ouais, il y a eu un petit peu lutte, mais une fois que j'ai baissé les œillères, il a repris un départ. Comment ça se fait qu'on te voit ici? C'est ton comeback aujourd'hui en Belgique? Bah oui, c'est mon comeback. Ça fait 2 ans que je suis pas revenue et j'aime revenir en Belgique. J'ai du sang belge et j'adore revenir. Eh bah écoute, plein de bonnes choses. Bon retour. Hey, t'as remarqué? Les Français devant, les étrangers derrière. Sans pression, Nana? Si, j'ai énormément de pression. Cheval, il va démarrer. C'est mon premier groupe, je suis très tendu. Est-ce que t'es simplement porte-drapeau, Anthony, ou t'es là pour leur faire mal aussi? On va surtout essayer de leur faire mal. Déjà. Ciao! Forza Italia? La bandiera italiana. Tiens, le plat, en plein un. Arrêtez-vous, madame. Oh, voyez-y. Yep, hier, moet de vlag branden. Jong. Hier. 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 Thank you.
Bravo Anthony. Bravo Moustique. Bravo Moustique. Merci Anthony. Bravo. Quel driver. Merci. Ouais. Allez, t'en dois la bise aujourd'hui. Allez, t'en profites pas, tu vois. Super. Anthony, champion. Bravo. Allez, bravo. Merci. À la tête. Bon, oui. Et j'ai regardé une fois. Ils ont travaillé pour toi, du coup. GMB, il est meilleur que GMB, presque. Oui. Extra. Oh putain, les gars. Super, bravo. Ça, c'est super. Jean-Paul, super. C'est un beau cadeau d'anniversaire pour ta fille. Ah, c'est vrai, ouais, c'est vrai que Nathalie, ma fille, est née aujourd'hui. Il y a 29 ans, mais bon, ben, c'est super pour elle. Elle va être heureuse comme tout. C'est un beau cadeau, oui, c'est vrai. Raconte-moi un peu comment tu as vécu la course des tribunes. Justement, aux tribunes, il y a eu match et ça, tu devais te régaler à ce moment-là. Ben, exactement, je me suis dit, là, on a gagné. Quand j'ai vu un tour de l'arrivée, j'ai dit, on va gagner. Parce que là, l'effort qu'ils ont fait, c'était impossible qu'ils puissent refaire un tour comme ça. À mon avis, c'est là qu'on a gagné la course, oui. Et est-ce qu'avant le coup, tu sentais que c'était une course qui allait se courir pour toi? Ben, on espérait prendre la tête, et puis bon, ben, vu qu'on espérait, rien du tout, parce qu'on sait que c'est deux chevaux qui démarrent, mais ils pouvaient se tirer la bourre, et c'est ce qui s'est passé. Et ça, pour nous, ça a été vraiment bénéfique pour nous, en fin de compte. Hein. C'est bien des courses comme ça. Profite de l'ovation. Essayez de sourire un peu, messieurs, s'il vous plaît. Allez, Jean-Paul. C'est pas un enterrement, on essaie de sourire. Messieurs, dames, pour la photo. Anthony, avance un peu. Annick, on ne te voit pas, Annick. Allez, devant. Annick. Mettez-vous plus. Anthony, premier groupe 1, c'est magnifique. Bah ouais, puis avec lui en plus, donc c'est super, on l'attendait depuis un bout de temps et c'est beau, c'est la récompense de ce que je disais, de tout le travail de tout le monde, de toute l'écurie, Olivier qui sont YouTube super et voilà, c'est beau. Et toutes ces expériences à l'étranger pour toi, ça te forme? Bah ouais, ça fait du bien, on voit beaucoup d'autres choses, d'autres façons de driver aussi, c'est des courses très tactiques. Voilà, on se couche un peu moins bête le soir, ça nous sert pour le lendemain. Raconte-nous un petit peu, un tour du but, quand tu vois le match entre Timoko et Ulan Duval, est-ce que tu commences à te frotter les mains? Ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai dit bon, on a une bonne chose, parce qu'ils ont vraiment fait très fort. Voilà, en plus Timoko n'a pas eu toutes ses ailes, ça en faisait un de moins, c'est le jeu. Et c'est vrai que le choix à Cédric est arrivé dans le virage un petit peu fatigué, donc j'ai pas hésité à lancer le mien ici, sachant qu'il est très bon à gauche. Voilà, bravo. La suite pour toi avec Roi du Lupin, l'étranger encore? Bon, on sait pas, ouais, il y a peut-être Ken sur mer, le TGV. On va voir, on va savourer celle-là. Merci. Christophe, super Olmo. Ouais, c'est vrai que c'est magnifique. Hein. Avant le coup, on aurait signé. Maintenant, si on était là, c'est parce qu'on croit au cheval. Pour gagner, on savait très bien que ça allait être compliqué. Maintenant, je pense qu'on est à notre place, sauf que Timoko a eu la malchance. Il aurait peut-être été devant nous, mais voilà, la course était sélective. Numéro 1. On était pris de vitesse, on savait. Après, je me suis dégagé parce qu'il y avait Paladin Bleu à la corde et je voulais pas prendre le wagon de Paladin. Donc, extra, Timoko en tête. Puis là, à côté, scénario idéal, devant les tribunes. Une bonne attaque d'Ulan, c'était pas plus mal pour nous. Naturellement, ce qui s'est passé, c'est dommage. Mais après, voilà, Roi de Lupin à deux. Même j'y ai cru, à un moment, je dis, on sait jamais. Mais après, bon, voilà, on est... Il finit bien, et course marche 12-1 avec un temps quand même pas idéal, beaucoup de vent. Donc c'est bien pour l'avenir. Maintenant on va encore courir une fois avec le cheval s'il récupère bien. Et après on va préparer le meeting d'hiver. Voilà. Merci Christophe. L'entraîneur, il est content? Oh, ça va. Correct, deuxième. Est-ce qu'il t'a bien drivé? Pas trop mal, non, pas trop mal. Roberto, one word about Paciales. Good race? Yeah, it's a perfect trip before the accident. But the horse raced very good. He's inside the first 1,000 meter very tough. And after, he finished good. I think the horse is ready to win next time. Thank you very much. Bjorn, c'est affreux ce qui s'est passé avec Timoko? Ouais, il a été facilement dans la tête.
Mais après ça, 500 mètres, on a eu l'Anneval, m'a poussé un peu de tempo. Mais après 1000 mètres, il veut aller plus vite, il veut aller en tête, mais moi je voudrais rester en tête. Mais malheureusement, il a pris le jambe de mon cheval, il a dans le patte, et il a eu peur, bien sûr, il a perdu le trot, il a fait galop pour ça, bien sûr, c'est pas bien. Il y a eu contact ? Oui, bien sûr, il a contact avec le jambe devant. C'est à ce moment-là, est-ce que tu hésites à le laisser passer ou pour toi, quoi qu'il arrive, tu vas jusqu'au bout de ton effort, tu gardes la tête? Oui, je voudrais être en tête parce que je pense que Ulanvelal, il a poussé trop beaucoup, il a été fatigué bien sûr aussi après dans la dernière 500 mètres, il n'a pas bien de rester derrière de lui. Et aujourd'hui, on a une idée d'aller en tête bien sûr, et bien sûr je voudrais rester en tête parce que c'est petite piste aussi. Est-ce que tu peux nous rassurer sur le cheval? Est-ce qu'il y a des atteintes visibles ou pour le moment il est trop tôt pour en parler? Pour le moment, après la course, ce n'est pas visible, mais ce n'est pas sûr, on ne peut pas voir immédiatement après la course parce que qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de le cheval, on ne sait pas, mais normalement, j'espère que tout est bien. Merci. Destroy everything, they bring down angels like you. Now I'm rising from the ground, rising up to you. Filled with all the strength I found, there's nothing I can't do. So low, where only fools go. I'm rising up to you.